Ce dimanche, j'accompagne les jeunes présents pour une seconde semaine à une promenade suivie d'un petit pique-nique. L'après-midi, la chaleur est pesante. Au programme, un peu de repos et l'accueil des nouveaux arrivants. Lundi matin, c'est au tour des nouveaux aventuriers de Au fil de l'arbre de découvrir le Escape Game. Et l'après-midi, direction Le Domaine pour découvrir la grimpe. Mardi, c'était mon jour de congé. Du coup, quelques petites images de cette veillée nocturne. On est déjà mercredi, et direction Le Domaine pour appliquer notre protocole et aussi un peu de détente. Et comme le ridicule ne tue pas, je vous partage ces petites images d'une veillée Cluedo où j'incarnais un drôle de personnage. Jeudi matin, une partie de l'équipe a la chance de pouvoir participer à un jeu de rôle auquel on y a adapté notre thématique scientifique. L'après-midi, les grands terminent les préparatifs de leur travail de vulgarisation. Quant au reste de l'équipe, ils anticipent la retransmission de samedi. Vendredi, la caméra a servi à l'enregistrement des séquences pour la vidéo de vulgarisation. Du coup, bah, on se retrouve le soir et soirée pizza. Samedi matin, instant nostalgique, avec un bâton de parole où chacun résume le sentiment de cette semaine. L'endroit est génial, les animateurs étaient super cool. Après, on mangeait bien, on dormait, ça va. Et moi, j'ai adoré. Je pense que je vais revenir. Bon, de peur de radoter ce que tout le monde a dit, je vais dire autre chose. La bouffe était dégueu. J'ai mal dormi, les éducs étaient chiants, les veillées étaient reloues, l'ambiance était à mourir. Ouais bon, sérieusement, c'était ma 10e année à OSI et... Non franchement, c'est toujours aussi génial. Tout est génial, tous les monos qui reviennent tous les ans, c'est vraiment super cool de les revoir. Ouais non, et puis c'était super aussi, en 2 années consécutives, de faire quelque chose qui suit, quoi, parce que de continuer sur toujours le protocole de la chenille processionnaire, parce que du coup, on voyait bien qu'il y avait une évolution, et puis même dans la grimpe d'arbre, on a fait un truc vraiment super, vraiment plus évolué, quoi, par rapport à avant, donc ça aussi, c'était vraiment super. Et donc voilà, bon, même si 10, c'est un bon nombre, je pense que je vais continuer quand même. Et voilà, la semaine se termine sur de très belles retransmissions. Il est temps maintenant de mettre la main à la pâte pour le rangement.
Mesdames et messieurs, bonjour. Voilà, donc ça y est, on termine cette période estivale. Il fait chaud, il fait 35 degrés. Ces deux dernières semaines, j'ai pas fait beaucoup de prises en solo. Pourquoi ? Parce que j'en ressentais pas le besoin. Ces deux dernières semaines ont été chargées, mais elles étaient cool quand même. Une expérience voilà, que je recommande à tout le monde. C'était cool. Ces deux semaines, voilà, j'ai travaillé avec les grands sur un projet de vidéo de vulgarisation. Donc sur la thématique là, en rapport avec Au fil de l'arbre. Avec le plus petit, la découverte, travailler sur un protocole scientifique, travailler sur l'autonomie aussi des enfants, qui était important aussi, les faire participer, les intégrer dans la mise en place de petites activités et tout ça. Et puis franchement, c'était quelque chose d'aussi bien enrichissant pour soi que pour les enfants. J'espère que ils se sont bien amusés. J'ai encore 2h30 de route pour rentrer. Et voilà, super souvenir. Je pense que l'année prochaine, je vais remettre ça. On verra si ce sera pour un autre projet. On verra. Il y a plein de possibilités. Je vais voir les opportunités qui vont s'ouvrir. Et allez, je vous dis à très vite. Ciao. Terriblement faim. Waouh, merci. Regardez une bonne salade qu'Alain nous a préparée avec amour. Oh ouais, il est vraiment sympa ce amour.